Salut, vous êtes encore là, vous? Vous aimez bien voir les mecs flipper pendant qu'ils jouaient des jeux? Non, c'est pas ça votre vice dans la vie? Non, je demande, c'est tout. Et on retourne dans Visage. Il est quasiment minuit. J'ai bien envie d'avancer, bordel. Parce que je suis à un stade. Alors je sais pas si je diffuse. Je sais toujours pas si je diffuse mes streams bruts. Parce que ça peut être rigolo malgré les longueurs. Ou si je fais du saucissonnage vidéo dedans, j'en sais rien. Et du coup, bah, je suis un peu coincé là actuellement. Parce que j'ai. Bah, si vous avez regardé les streams précédents, j'ai ma copine qui est bien collante, quoi. Mais genre un peu beaucoup trop, quoi. Genre même. Je sais pas ce qu'elle a avec ma mâchoire, mais je crois qu'elle l'affectionne particulièrement. Et donc, bah, c'est un problème, puisque je ne suis plus libre de me déplacer, je suis à peu près coincé par là. Ouais. Alors, 2 heures, elle fait voir l'autosave, on comparait. Oui, bah, je vais prendre mon save à moi. Pour résumer un petit peu la situation, je suis ouais, coincé et... J'aimerais bien aller à l'étage, mais elle veut pas. Enfin, elle a pas de super envie, je crois. Et donc, du coup, ben, j'essaie de trouver des feintes pour la semer dans la maison, mais elle trouve moyen d'apparaître à des endroits pas possibles. Donc, des fois, c'est le placard. J'ai même eu le droit à un moment où elle est tombée du plafond. Et je veux bien qu'on soit amis. Mais il faut pas qu'elle me taquine la mâchoire comme elle le fait, quoi. Ça va pas trop bien se passer. Et en plus, je suis pas en forme, regardez. Slatch. Ah, mais j'ai plus un seul inter. Allume. Faudrait que je prenne un médoc. Mais pour prendre un médoc, faut que je lâche quelque chose. Et c'est hors de question que je lâche quoi que ce soit. On lâche rien. On ne lâche rien. Je vais là-bas. Il n'y a aucun problème. J'ai que des solutions aujourd'hui. Je sais pas pourquoi j'ai pas envie de me retourner. Mais alors du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Regardez. Retourner? Non. Ferme-moi ça. Oh la vilaine. Bon, je vais me foutre là, moi. Le problème, c'est que j'arrive jamais à fermer ces purées de portes. Putain de bordel de merde, elle est juste derrière, non? C'est mon briquet, c'est quoi? D'accord, c'est mon briquet qui était juste derrière, qui faisait n'importe quoi. Éteins-moi ça. Je peux plus l'éteindre. Je ne panique pas. Je suis totalement décontracté, regardez, je suis la décontractitude incarnée. Ça y est, j'ai rangé mon briquet. Dégage. Dégage ou je te flash la gueule. Alors, je peux absolument rien faire, là, je suis un petit peu... J'ai pas la méga envie de sortir en fait. Non mais je le dis franchement quoi. Et je pense qu'elle va se lasser avant moi. Mais non, ma santé mentale va très bien. Regarde, je vais m'agenouiller, je vais faire des petites respirations et je vais me relever d'un coup. Comment ça vous rappelle quelque chose qu'il faut absolument pas faire? Oui, bah si on peut plus s'amuser en attendant que ça passe. Je regarde si cette porte ne va pas s'ouvrir à l'insu de mon plein gré. J'ai pas super envie de sortir en fait. Je peux pas aller vous foutre le feu là-dedans et puis voilà, je mourrais brûlé, mais c'est grave plus vite sûrement. Bon, on va faire alto sketch là. Fini les conneries, t'es où? Je ferme les placards maintenant. Ouais, non, mais c'est important. Elle m'a fait le coup de sortir d'un placard. J'ai super pas aimé quoi.
je peux aller dans la salle de bain peut-être. S'il n'y est pas. Qui c'est Tata Zezette. Si mon briquet s'éteint maintenant, franchement, c'est vraiment le moment d'examiner un flacon de parfum, de shampoing. Je veux pas savoir ce que c'est, ne m'énervez pas. Comment je fais pour qu'elle dégage? Madame, madame. Non, non, mais je vais rien ouvrir, moi, tu rêves, toi. Je vais tout bien fermer, tout bien ranger, hein. Comme ça, rien ne se passera. Alors, je crois que le jeu a bugué. Bah oui, c'est encore une alpha, hein, je le signale. Donc, le jeu a un peu merdoyé. Et la dernière session, je me suis retrouvé avec l'entité incrustée dans le mur, là. Enfin, moitié dans le mur, à moitié dans le placard. Donc, du coup, elle était coincée. C'était bien à mon avantage, mais... j'arrivais pas à m'en dépêtrer. Quand ce briquet va s'éteindre, je vais être triste, mais alors d'une tristesse. Ça vous passe cette petite lampe là? Regarde. Reste pas devant la porte. Y a-t-il pas un truc à faire? Me cacher dans un carton, comme le fameux Snake, le grand Snake, le si génial Snake. J'ose même plus ouvrir les placards parce que cette chaussette. Oui, ben j'en ai d'autres. J'en ai d'autres. Ça tombe super bien, madame. Voilà. Regarde la maîtrise. Comment ça, mon inventaire ne veut pas se déployer? Hop. Hop, 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 hop. Ouais, enfin, je me suis compris, quoi. Hop là. Allume-toi. Il y avait un inter par là, mais il a dû être arraché comme tous les autres dans la maison. Parce que je sais pas pourquoi. Et ses posters toujours. Je sais pas pourquoi le... Non, je ne trompe pas, c'est un bug du jeu. Bon, il va falloir que je sorte de là. Est-ce que je peux pas m'enfuir par ce placard, tiens? Ce serait bien, non? Non. Oublie. S'il n'y aurait pas une clé magique, une incantation écrite quelque part. Verata, Clata, et puis... je sais plus, après. Moi, je veux pas trop sortir d'ici, quoi. Mais ma sanité va très bien. Tu racontes des bullshit, mon ami. Et heureusement qu'elle fait de l'asthme, sinon je pourrais pas l'entendre. Faudrait que... Je vais essayer un autre endroit, si elle me laisse le temps d'y aller. J'ai totale confiance en ce que je fais. Yatta. Vas-y, trace, ferme. Clac! Ha ha ha! Faudrait que j'allume cette bougie, ce serait génial. Que dalle. Comme la nageoire du dauphin? Non, ça va. Je vais me planquer dans tous les placards, moi. Non mais, peut-être qu'elle marche, elle. Oh, si c'est ouvert là-bas, je vais faire un malaise. Si c'est fermé, ça tombe bien. Comment ça, on reconnaît ce
petit timbre tendu dans la voix. Pas du tout, mais regardez comme je suis détendu, regardez ça. Je peux faire de... Je m'en étouffe, dis donc. C'est pas ce gobelet qui va me sauver, je pense. Bon, on va essayer un truc, mais je... Comment ça, c'est closed? C'est verrouillé? Pourquoi la lumière elle s'allume? Pourquoi la porte se bloque? Il y a de la fumée! Il y a de la fumée! Je vois de la fumée! Si elle est juste derrière, je vais te vénère. Coucou! Qui est là? Ambassadrice Savon, c'est toi? On n'y voit qu'un dans... Je sais pas du tout où elle est, tout comme. Je fonce. J'ai bon espoir que tout se passe bien. Et qu'elle ne vienne surtout pas là. À ma place. Ah, s'il y avait un interrupteur. Bon. J'ai pas fini de tourner en rond avec la pépette aux fesses, c'est terrible quand même ce qui m'arrive. À droite. Je sais pas pourquoi, mais j'y vais. Putain d'appareil de merde. Qui déclenche quand il veut. Ouvre-moi ça. Ouh, quelle est la vilaine. Ouh, quelle est la croyance. Je tourne en rond. Oui, je le sais. Je sais très bien. Mais j'essaie de savoir où elle est. Ouvre. Cornolio. Et c'est encore mon sac de cul là. Trop de tension les amis, trop de tension, moi je vous dis. La bricotto is near empty, alors ce que je vais faire, je vais me réfugier ici, je vais fermer cette porte, calmement. Faire une petite photo, souvenir, hein. Je vais jeter ce briquet qui est mort. Et je vais en prendre un neuf. Non. Tu comprends quelle moitié, toi? Alors, j'ai une explication pour les contrôles qui sont un peu pénibles avec cet inventaire qui est quand même pas des plus pratiques. C'est que le jeu est également prévu pour la VR. Et je pense que les développeurs à ce stade-là essayent de faire un jeu qui est utilisable un petit peu dans tous les modes. Donc, ça veut dire VR... plus pad, plus clavier souris. Et du coup, ben... il est vraiment empty, fais voir. Ah ouais, putain, c'est vrai, ça. Ben, drop. Non, putain, t'es con à manger du foin, toi. Hop, celui-là, il doit marcher. Hop, snip. Oh, la vie est belle. Et donc, je disais, les développeurs doivent être en train de... C'est pas le moment de regarder ça. De justement chercher un moyen d'avoir une interface unifiée qui jolie. Qui permette tant aux gens qui font de la VR, que aux gens qui font du clavier souris, que aux gens qui jouent à la manette, de s'y retrouver totalement. Alors pourquoi cette zone est fermée désespérément? Je ne comprends pas ça. Parce que c'est que je dois y aller si c'est fermé. Bah oui, j'ai cet esprit de contrariété du joueur tout à fait naturel. Qui fait que... Je pense que l'asthmatique est dedans, mais je sais pas pourquoi elle est enfermée dedans du coup.
Oui, je vais l'appeler l'asthmatique, ce sera gentil. Et je vais reparler des développeurs, hein, parce que hein, ça me rassure quand je fais mes conneries. Hein. Je peux même pas pousser une porte entrouverte, c'est quand même bizarre, ça doit être un bug. Alors si ça se trouve, je me suis fait ken ma sauvegarde. Pour pas grand-chose. Tu la sens, ma grosse tension. Je sais pas où je suis. Alors, pas du tout, les gars. Oh putain, il y a un inter. Ferme-moi ça. T'es chou. C'est là que je me suis enfermé avec. Ce serait juste dramatique. Il y aurait le cri de fillette ultime. Regarde, c'est rien d'utile là que j'aurais pas vraiment vu. Elle est quand même pas loin la mémère. Hein. Diable, que ce temps de chargement de flash est super long. Et mon briquet qui va pas tarder à crever, je pense. C'est ce qu'il y avait là? Je suis dans le garage. Dans le garage, tout va bien se passer. Je prends la bagnole, je me casse. Je me tire, je gicle. J'ai entendu des pas quelque part. Et c'était pas les miens. Je dis pas ça pour vous monter la pression, les gars. Hein. Pas du tout. Je ne suis pas comme ça. Je tenterai bien la porte de droite. Ah j'en viens. Bah la porte de gauche alors. Allez. C'est là que je vais tomber nez à nez, tu vas voir. Je tourne super en rond. Ça l'occupera. Des fois qu'il y a une clé. Parce que je vous rappelle que je dois trouver un max de clés. Hein. On est mal barré les amis, je vous le dis, on est mal barré. Il n'y a plus un pet de jus dans cette maison. Il y a la psychotique qui est dans le coin. Oui, je vais l'appeler par différents noms, ça donnera des variantes intéressantes. Et j'ai des portes maintenant qui me sont verrouillées, c'est incroyable. Alors qu'elles ne l'étaient pas auparavant, quoi. Peut-être changer de briquet, moi. Mais je vais bientôt plus en avoir. Oh, purée, c'est le dernier. Je pense que le jeu est buggé, là. Je pense sérieusement que le jeu a buggé.
version alpha, c'est pas exemple d'imperfection. Putain, des fois le flash se déclenche pas, c'est un cauchemar. Un briquet, une bouteille de gaz. Comment ça, j'ai pas le droit? No fun, les amis, no fun. Alors, du coup, je suis coincé. On entend. Enfin, ce qui reste de la fillette couiner. Vaguement. C'est le garage. Ah, je suis les interrupteurs là, je suis les interrupteurs, connement. Oui, bah oui, c'est qui c'est, tu crois qui, hein? C'est une super pas bonne idée. C'est vraiment une super pas bonne idée, moi je vous le dis les gars. Et là il doit se passer quelque chose. Bon ok, le jeu est bugué. Le jeu est clearly bugged. Parce que cette histoire là, elle était plus qu'évidente. Hop. Ça arrive jusque là, ça s'arrête pile là comme par hasard. C'est pas un vrai hasard quoi, c'est un faux hasard, c'est un hasard boiteux, un hasard mexicain, un hasard qui n'est pas le duc, et qui pourtant pourrait avoir des... Ah attends, non, je vais pas la faire celle-là. Vous savez ce que je vais faire? Je sauvegarde, je fais un break, j'essaie de voir si je peux me sortir de cette situation, parce que je pense qu'on n'est pas qu'on ait besoin de l'enregistrer particulièrement. Allez, je vous retrouve tout à l'heure.